wonderforest.com. Con Team Vision e Now TV hai la serie A Team con 7 partite su 10 ogni giornata e molti altri sport a €29,99 al mese. E i primi 4 mesi li offre Team. Chiama il 187 o vieni nei negozi Team. Et donc bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau match entre la Juve et l'Inter pour donc ce week-end. Enfin, l'un des matchs les plus attendus de cette Serie A, ce qui va déterminer qui sera le premier et le dernier. En tout cas, la Juve va démarrer donc ce match avec Bentancur. C'est parti avec Lazzaro qui récupère cette balle, c'est pour Milan Skriniar. Quadrado, Pjanic, comme vous pouvez le voir, c'est un match qui se jouera sans supporters, match à huis clos. Déjà la semaine passée, on avait annoncé ce match qui finalement a été annulé. On va voir si cette semaine, ça sera la même chose, mais pour l'instant, ça a l'air d'être la même chose. Enfin, pas tellement, parce que pour l'instant, on n'a toujours pas déterminé si le match était annulé ou pas. Et déjà, le premier but, 1-0, 1 pour Romelu Lukaku. Donc pour l'Inter, attention, c'est pas fini, c'est pour Higuain. Ronaldo, la balle pour Higuain. Higuain, la frappe et l'arrêt de Samir Handanovic, c'est du coup pour Pjanic. Le corner de Pjanic qui va le tirer. Cette balle qui surplombe le goal de Handanovic, c'est quand même un nouveau corner. Miralem Pjanic. Alexandro qui tente la frappe de loin et c'est pour Samir Handanovic. Lazzaro. D'Ambrosio. Vecino. Attendez, je me mouche un petit peu. Vecino. Cette balle pour Brozovic. On a Pjanic qui vient s'interposer. Voilà l'attaque des Turinois. Bernardeschi. En tout cas qui sera donc présent avec Brozovic. Lukaku. On aura Lautaro Martinez. Il y a aussi Lazzaro qui fait une superbe passe pour Vecino d'ailleurs. Attention, c'est pas fini. Peut-être le tir. Et c'est à côté. Chesney. Ici avec De Ligt. Chiellini. La balle pour Bentancur. C'est pas fini. C'est pour Bentancur. Attention, ballon pour quoi Candreva. Alors pour joueur de l'Inter, c'est pas fini. Cette balle pour Vecino. Brozovic. Lukaku, la balle avec Chesney. On a Quadrado avec Bentancur, Pjanic. Quadrado, c'est pas fini, Bentancur. Ouais non, la balle récupérée pour... les interistes avec Candreva. D'Ambrosio. Pjanic. Lazzaro. Quadrado. Chiellini. Bentancur, Bernardeschi, pardon. Balle pour Lazzaro avec Skriniar. Milan Skriniar, Stéphane De Vrij.
Dorai, Vecino. Vecino, Canareva. Avec Gagliardini. Donc toujours 1-0 ici entre les joueurs de l'Inter et les joueurs turinois. C'est pas fini avec Chiellini. Attends, c'est pas. Ça continue. Skriniar. On a Bentancur. Alors, Bernardeschi qui perd cette balle. Inutilement avec Lukaku. Candreva. Candreva. D'Ambrosio. Brozovic. Romagnoli. Lazzaro. Lazzaro. Et la balle pour Chesney. Lukaku qui pour l'instant a déjà marqué son premier but. Attention Bernardeschi. Bernardeschi, il a frappé le but. 1-1 donc. Pour nos deux équipes, c'est récupéré avec Handanovic. On est reparti. Chiellini. Attention pour Cuadrado. Cuadrado superbe là, Bentancur. Bernardeschi. Cette frappe et... Oh, la balle qui se loge à côté. C'est pour Handanovic. Avec Lautaro Martinez, on a Chiellini qui vient récupérer cette balle. Higuaín. CR7. Qui récupère, n'empêche, la balle avec De Ligt. Alexandro. Ouais, non, balle perdue, c'est pour Candreva. Lukaku. Lautaro Martinez. La frappe et le but. Voilà, c'est fait. C'est pas fini. La balle avec Vecino. Lazzaro. Devin au score pour l'instant entre la Juve et l'Inter. 2 pour l'Inter, 1 pour la Juve. Ici à Turin, dans ce match assez spécial. Effectivement, match assez spécial car il n'y a pas de supporters. C'est un match, je vous rappelle, à huis clos. Il se jouera qu'entre les joueurs interistes et turinois. C'est pour du coup Chesney. Ah non, la balle perdue. C'est récupéré avec Pjanic. Ah non, encore une fois, balle perdue, c'est pour Gagliardini. Lukaku, Lazzaro. Pjanic. Cristiano Ronaldo. Higuaín, et voilà le but de Gonzalo Higuaín. 2-2. Gagliardini. Lazzaro. La balle avec CR7. Higuaín. Et Porge Higuaín. Le tacle. Brozovic, Vecino, Candreva, Candreva avec Brozovic,
Matteo Brozovic, Gagliardini, Lazzaro, oh, il y a De Ligt, oui, qui a bien, très très bien défendu cette balle. Brozovic qui va tirer donc le corner. La frappe et le but, et voilà, c'est fait. 3-2. Cuadrado. La touche pour les Turinois. Alexandro. Ah, il y avait Ronaldo et c'est finalement Gagliardini qui récupère cette balle. Lazzaro. Skriniar. Lazzaro. La remise de touche avec Cuadrado. Mettre en cours. Le corner. Ah non, c'est récupéré par le gardien Samir Handanovic. Gagliardini. Lazzaro. C'était donc renvoyé en 6 mètres. Lazzaro. Gagliardini. Lazzaro. Gagliardini. Brozovic. Kandreva. Attention ce centre. Cuadrado. Et Cristiano Ronaldo qui est taclé avec Vecino. Vecino. Mathias Vecino qui fait sa passe avec Gagliardini. Gagliardini qui fait une mauvaise passe. C'est du coup la remise de touche pour la Juve avec Cuadrado. Pjanic, il reste encore quelques instants avant la mi-temps. CR7 taclé par monsieur le gardien. Kandreva, Antonio Kandreva. D'Ambrosio. Kandreva, 3-2 pour l'instant toujours. On reste sur un score assez particulier. En faveur de l'Inter. C'est pas fini, Pjanic. Ouais, le tacle de Higuaín, c'est du coup pour Matteo Brozovic. La frappe et oui, la frappe et l'arrêt de Chesney, c'est du coup pour Matteo Brozovic. La frappe de Romelu Lukaku sur Chesney encore une fois et nouvelle frappe récupérée. On est reparti avec Alexandro. Allez, très certainement l'une des dernières actions avant la mi-temps. CR7 n'a pas pu récupérer cette balle comme il le voulait lui aussi. Ah non, la balle pour Vecino, Mathias Vecino. Lazzaro. Et on a Cuadrado. C'est pas fini. On a Cuadrado à la récupération, Bentancur. Oh, superbe là. CR7 magnifique avec Higuaín. Oh là là, c'est pour Samir Handanovic. Ah non, ils ont essayé de chercher un peu trop la Juve.
Mathias Vecino. Il va nous rester 3 minutes de temps additionnel avant cette fameuse mi-temps. Gagliardini. Attention, peut-être un dernier but pour l'Inter avant la mi-temps, non? On ne sait pas, toujours le corner avec Matteo Brozovic. Brozovic. Avec Bernardeschi qui a certainement l'égalisation peut-être. Higuaín. Attention, c'est pour Bernardeschi. La frappe. Et c'est à côté. Et c'est fini. C'est fini. Cette première période qui s'achève donc ici pour l'instant. Sous le score de 3-2. 3-2 pour l'Inter. Enfin, plutôt 2-3 du coup, parce que c'est la Juve qui a 2 et l'Inter qui a 3. On va arrêter là. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de ce match. Sinon, restez avec nous. Salut à tous. Et donc, on est reparti ici pour la suite de ce match. Pour l'instant, l'Inter qui domine. 3-2 au score. Avec Bernardeschi. Pjanic. On a eu un changement pour l'instant. Notamment le changement pardon, de Gonzalo Higuaín et de Paulo Dybala. Dans cette mi-temps. Avec Cristiano Ronaldo. La Roya. La frappe et l'arrêt de Samir Handanovic. La frappe. Et Danilo qui récupère cette balle. C'est pour Bernardeschi, pardon. Bentancur cette fois-ci. Bentancur, Pjanic. Ah ouais, le petit changement aussi, c'est la sortie de Juan Cuadrado et de donc Danilo à la rentrée. C'est pas fini et il y a De Ligt qui vient s'interposer. Alexandro Pjanic. Bentancur. Ouais, le tacle et forcément, ça va donner un bon coup franc avec CR7. C'est CR7 qui va le tirer, il est dans le mur. Et le corner pour les Turinois. Pjanic. Pjanic. La tête. La frappe et le but. Voilà, c'est fait. La Roya qui marque. Ici. Alexandro. Alexandro avec Chiellini. Chiellini, Blaise Matuidi. On a Pjanic notamment. Bernardeschi. Bernardeschi avec Dybala, l'arrêt de Samir Handanovic. Le nouveau corner avec Pjanic. Danilo, on est revenu donc à 3-3 au score. Pjanic. La frappe et le but, et ça y est. C'est fait. 3-4. Enfin, 4-3 plutôt. Pjanic. Avec Cristiano Ronaldo. Le centre. Récupéré là par les Interistes. Blaise Matuidi. La balle pour Bentancur. Bernardeschi. La frappe et le but. Et ça y est, c'est 5-3.
pour les Turinois. Anthony Candreva, mauvaise, très très mauvaise passe. Mal récupéré avec Pjanic. Bernardes qui met en cours. Avec Pjanic. Il y avait hors-jeu pour les interistes, enfin pour les Bianconeri. Avec Bentancur. La frappe et encore le but et ça y est, c'est parti, c'est fini. 6-3 au score. Et voilà, encore une balle récupérée, ça c'est bien. Pjanic. Alexandro. Pjanic. Le tacle qui n'est pas sanctionné. Attention, monsieur l'arbitre, hein, de bien y revoir ses fautes, car là, ça méritait peut-être un carton, là. Chiellini, Blaise Matuidi, Pjanic. Avec Matuidi. Ouh là là, monsieur l'arbitre, ça mériterait le rouge, ça. C'est pas fini, c'est pour Pjanic. Avec De Ligt. Danilo. C'est pas fini, c'est pour Lukaku. Voilà, balle perdue, c'est pour Danilo. Danilo. Ce centre, la frappe et l'arrêt et le but de Cristiano Ronaldo. Et voilà, c'est là, c'est fini. 7-3. Et voilà, c'est fait. D'Ambrosio. Vecino. Il n'y a plus de match là. Les Turinois dominent tout à fait normalement. Attention, les Interistes qui perdent encore une balle. Oui, 3, ça fait hyper mal, en tout cas pour l'Inter. Mais c'est très très bien pour la Juventus. Même exceptionnel. Ah, ça fait du bien hein, pour les Turinois. Alexandro. Alexandro. Oh, dommage, ça méritait le goal, ça. Ou le tacle, attention, ça méritait le jaune aussi. Et ses buts. 9-3. Avec Vecino. Lautaro Martinez. C'est pas fini, c'est pour Lazzaro. Et le but de Lazzaro, notamment, dommage, c'est 9-4. Alexandro. Bentancur. Danilo. C'est dommage, cette petite série qui s'est arrêtée là. La Juve, c'est vraiment dommage, dommage. Chiellini. Et c'est exceptionnel, c'est le goal. C'est du coup 10.
Ah non, c'est impossible ça. Par contre, 10-5, 10-4, c'est impossible. Là, ah non, c'est plus qu'impossible. Ça pourrait être possible, effectivement, mais 10-5, voilà. Lazzaro. Et voilà, 10-6. Non, 10, 10-5. Alexandre, c'est parti. Dix à cinq. Et ça fait 11-5. Candreva. Alexandro. Chiellini. Lukaku. Allez, ça fait 11 à 6. 11-6. Cristiano Ronaldo. Avec Bernardeschi, c'est pas fini. Cristiano Ronaldo la frappe, dommage, avec D'Ambrosio. On est reparti avec Alexandro. Alexandro avec Bernardeschi. Blaise Matuidi. Matuidi avec Pjanic. On a aussi Bentancur. Bentancur, il y avait Danilo. Il y a aussi Bernardeschi. Bernardeschi, Pjanic. Ou le tacle sur Pjanic. Et ça va être du coup à coup franc. Pjanic. Alexandro. Avec De Ligt. La frappe et on a Brozovic. On est reparti. D'Ambrosio. Bien récupéré ça avec Matuidi. La frappe totalement au-dessus. Dommage. Ça méritait quand même un goal. Hein. Avec Handanovic. Skriniar. Ça c'est bien pressé. C'est bien pressé par les joueurs de la Juve. Brozovic. Ah, bien récupéré avec Alessandro, avec Matuidi. Bentancur. Ah, mauvaise passe là de Bentancur. Sur Bernardeschi. Blaise Matuidi. Avec Matuidi. La frappe, l'arrêt et le corner. Ah, dommage, la balle qui n'est touchée par personne, c'est n'empêche pour l'équipe interiste. Vecino, Candreva. Ah, ça s'est bien donné avec Alexandro. Chiellini. Blaise Matuidi. On continue avec Bernardeschi. Dybala. Le tacle est forcément le coup franc. Peut-être le but, on l'espère, avec Cristiano Ronaldo. Lautaro Martinez avec Lukaku. Oh, attention, Lukaku qui est toujours là. C'est un peu dangereux là. Lazzaro. Ah non, la balle perdue. C'est pour Chesney.
Alexandre pour Chiellini. Pjanic. Blaise Matuidi. Avec Alexandro, il y a de Stéphane De Vrij qui vient s'interposer. Candreva. Lukaku. Et le but de Romelu Lukaku. Ça nous fait 7-11. À la balle pour Lazzaro. Lautaro Martinez, Lazzaro. Ouais, non, balle perdue. Et la fin de de ce match qui arrivera bientôt. Chiellini. Alexandro. J'ai même pas fait attention. Donc, tous les buts qu'il y a eu. On va voir le temps aussi supplémentaire. Oh, le tacle sur de Ligt. Lautaro Martinez qui a reçu un carton. L'a pas vu par contre. Lautaro Martinez. Le tir et le corner. Brozovic. Avec Chiellini. Danilo. De Ligt. Danilo. Pjanic. Avec Bentancur, ouais. Les Turinois qui dominent. Attention, c'est pas fini. Bernardeschi. L'arrêt de Samir Handanovic. Le corner de Pjanic. Il y a 2 minutes de temps additionnel seulement. Avec attention. Peut-être dernière action but. Et non, c'est à côté, c'est sur le poteau extérieur. C'est pour Samir Handanovic. Antoine Ambrosio, peut-être dernière action. Même pas. Et voilà, c'est fini. C'était ce match ici. En tout cas, j'espère que ce match vous a plu. S'il vous a plu, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime. Et on se retrouve pour un prochain match. Salut à tous.